Nous sommes dans la voiture, dans un endroit où franchement, tu vois ce que je veux dire. On vient filmer un camping-car. On a dormi sur place, un pépette, ravitaillé par les corbeaux. Le seul restaurant ouvert, c'était McDonald's. Franchement, c'est horrible. La région ici, enfin la région, c'est la deuxième fois qu'on est là. C'est quoi le Rennes? C'est, on est dans le 55. C'est vraiment pas joli. Dans l'Est, hein, en fait. Hein. Ouais. C'est, alors, par contre, l'été, c'est le joli. C'est des petites écluses et tout, mais c'est... Ouais. Ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Hein. Puis alors là, c'est crachin. Là, le drone, il va. Je pense que le drone aujourd'hui, il va pas voler. Hein. Mais là, c'est joli encore. T'entends pas. Là, c'est joli encore. Mais je pense que les campagnes sont jolies. Là, le truc, c'est que là, on arrive une période où bon, c'est pas très beau, quoi. Hein. C'est, mais bon. C'est les maisons, en fait, les villages, les maisons. Il y a jolis canaux et tout. C'est pas mal. Hein. Il n'y a pas la vie qu'on nous on connaît dans les régions dans lesquelles on est. Hein. C'est mort. Hein. Là, vraiment, le soir, il n'y a rien, en fait. Là, t'es vache. Charol, ça bouge. Hein. Charol, c'est une ville où il n'y a que des jeunes dynamiques. Famille, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas présenté de camping-car. Aujourd'hui, ça va être un Rapido I90 de 2015, motorisé par un 2 litres 350 chevaux. Et il est en poids lourd, c'est un 4,5 tonnes de PTAC. Ce camping-car, il a 48 393 km. Il est en boîte mécanique. Châssis Alco, double plancher. Hein. Il est dans un état irréprochable. Il est, je dirais, état neuf. Alors, sur ce camping-car, il y aura une garantie de 6 mois. Totale. Garantie totale. Que tu pourras éventuellement étendre moyennant finance. Si toutefois tu veux rajouter un petit peu, ben oui, tu pourras avoir une garantie étendue. Mais là, dans l'esprit où on te vend le véhicule, ça va être un réparateur qui te vend ce véhicule, hein, quelqu'un qui fait du montage accessoire, etc. Et si jamais tu avais le moindre souci, eh ben, tu peux lui téléphoner et tu peux venir le voir. Hein, ça, c'est important parce que c'est quand même un véhicule qui représente une somme assez importante. Donc, tu t'engages pas comme ça à la légère. Hein, contrôle d'étanchéité, tout est OK, tout est fait. Hein. Il y aura la distribution également qui sera faite. Comme tu peux le voir, on est vraiment dans quelque chose de très, très propre. On a la petite plaque Alco. La dimension, donc, tu vois qu'il fait 7,39 m par 2,35 m de large. Et il fait moins de 3 mètres en hauteur, ce qui veut dire que tu passes en catégorie 2. En dessous, donc, tu peux voir également que bah, tout est OK, tout est propre, tout est impeccable. On a beaucoup de chance d'avoir un véhicule comme ça à la vente, parce qu'il y en a de nombreuses concessions qui voulaient l'avoir en dépôt-vente pour le présenter. Et on a la chance que... Sébastien, c'est un ancien de chez CLC qui s'est mis à son compte et qui fait du montage accessoire, de l'entretien, etc. Et qui connaît bien ce client puisqu'il a entretenu le véhicule, il lui a monté les vérins, il lui a posé des options. Et du coup, ben voilà. Au niveau du pare-brise, aucun impact, hein, tout est impeccable. Alors on est sur les faces avant, les dernières générations. Hein, tu vois qu'on a les feux lenticulaires, on a les petites LED qui sont ici, les feux de jour. Hein, il est impeccable. Deux vélos, la petite caméra de recul. Comme tu peux le voir, le véhicule, on a un sol qui est très en pente, il est complètement stabilisé. On a un système de vérins, chaque vérin a un moteur à l'intérieur.
C'est un système allemand qui fonctionne très très bien. C'est Sébastien qui a posé le système. T'as même la roue qui ne pose plus là. En fait, il se stabilise tout seul le véhicule. Bon, ça vaut grosso modo, c'est beaucoup moins cher qu'un système avec compresseur. C'est beaucoup moins lourd. Ça tourne autour de 4000 balles hein, à peu près. Et voilà, regarde ça. Alors, il y a des petites cales. Ça te permet de pouvoir rattraper un petit peu quand vraiment, là, par exemple, il y avait un gros dévers. Il a les roues posées maintenant. Sébastien, tu me disais que ça coûtait combien ça, les vérins? Toi, quand tu les poses, combien ça coûte pour un véhicule comme ça? 200 et 4000. Voilà. Posé. Donc si tu as des vérins à installer, je te mettrai les coordonnées de Sébastien en description, tu l'appelles. Voilà, lui, t'es concessionnaire de ça en fait, tu les distribues. Hein. Ouais. Voilà. T'as pas d'hydraulique en fait, t'as pas le moteur, c'est un moteur hydraulique, c'est ça hein, d'habitude. D'habitude, alors que là, t'as un moteur par vérin. Et ça fonctionne super bien, c'est garanti, c'est allemand, tu m'as dit. Garantie 2 ans. La cassette, alors on est sur une grosse cassette, tu vois. Sur cette petite soute là, ça va être... Tu vas voir, regarde ça, tu as accès directement par l'intérieur en fait. Hein. Tu vois, tu as une petite trappe sur le côté et quand tu rentres, et là tu peux y mettre tes chaussures, tu peux y mettre ce que tu veux. Ça c'est les tôles, c'est les plaques pour le frigo. Hein. Et ici, on va avoir le gaz. Alors, il n'y a plus les bouteilles, hein. Avec le duo contrôle donc, les sécurités, 2023 pour le remplacement des lyres, hein, donc sont encore bonnes. De ce côté, les batteries, alors comme je te le disais, tu vois, et c'est sans surprise, on est sur du 90 ampères multiplié par 2, donc l'accès étant quand même relativement facile. Tu as ici les fusibles avec le BL, enfin tu as toute la partie électrique qui est accessible ici. Hein. Le remplissage du gasoil, hein, il est marqué diesel parce qu'il y en a certains qui mettent de l'eau à la place. Et là, on va avoir la Trouma. Trouma 6, l'évacuation est ici, ça c'est pour brancher le 220, et voilà la chaudière, Trouma 6 gaz uniquement. Hein. Ma chatounette elle est carbonisée de froid, hein. Un joli petit chapeau tu vois, l'élégant et tout ça, enfin l'élégant nomade. Hein. On a donc un garage, comme tu peux le voir, qui est quand même vachement spacieux, l'emmarchement est haut forcément parce que on a les vérins. Hein. Dans ce garage, donc, on peut voir la douchette extérieure. On a le lit qui se règle en hauteur, électriquement. Ça veut dire qu'on peut le descendre pour avoir un lit plus bas, mais on peut également le remonter, tu vois, jusqu'ici, pour pouvoir y rentrer éventuellement un scooter. Et là, eh bien, on a encore un rangement, tu vois, ici, voilà. On a du rangement, là, on a le panier à linge là-bas au bout. La douchette qui est comprise, tu vois. Il y a même des petits systèmes pour accrocher. Là, par exemple, on a la barre, la manivelle du store. Partie de manivelle ici. Là, on a, je pense que c'est une manivelle, c'est un raidisseur, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici aussi. Voilà. Et on a une deuxième entrée qu'on ouvrira tout à l'heure parce que Sébastien est parti avec les clés. Une petite porte supplémentaire, je t'en parlais tout à l'heure. Pour pouvoir avoir accès, par exemple, si tu rentres un scooter et que tu veux l'attacher à l'avant, tu vois. Tu peux avoir accès ici, si par exemple tu as posé tes bouteilles d'eau, ben c'est facile d'y accéder là. Là, c'est la fameuse panière à linge qu'on te montrait à l'intérieur. Des crochets, tu vois, des crochets qui peuvent éventuellement pour fixer le véhicule. Et alors, on a une possibilité, comme c'est souvent le cas, tu vois, il y en a certains qui le font, mettre une planche ici pour pouvoir faire un double fond et pouvoir ranger des affaires et pouvoir les organiser. Les baies, on va pas te faire, n'y a pas de joint bien sûr autour des baies parce que là le véhicule est récent. On a un store donc qui ne dépasse pas, hein, qui fait vraiment quasiment, quand on le regarde à l'arrière, tu vois, l'arrière du véhicule, tu vois qu'il effleure, hein, il dépasse quasiment pas. Les anciens stores dépassés, là on a un toit qui est complètement arrondi, comme tu peux le voir. Voilà, c'est complètement arrondi. On voit bien le système de vérin, on voit les vidanges. Ah là, le plancher, c'est impeccable. Hein. C'est vraiment...
Voilà le système du verrin, on voit bien le moteur électrique sur le côté. Voilà, c'est parfait. C'est en parfait état. Au niveau des pneus, c'est pareil. Alors, c'est les pneus d'origine, hein, bien sûr. Hein. On est sur du Michelin et je pense que c'est de l'Agilis. Tout à fait, c'est de l'Agilis. En parfait état également. Là, c'est pareil. Le propriétaire a fait redresser l'avant. Parce qu'en fait, de ces véhicules, les châssis d'origine plongent un petit peu. Et donc, il a fait mettre des ressorts renforcés. Hein. C'est toujours Sébastien qui les a posés. Et ça permet de redresser l'avant du véhicule, de le faire un peu moins plongeant. C'est un peu le problème que j'ai sur le mien, moi. Hein. Pas de porte, hein, bien sûr. Hein. Pas de porte sur ce véhicule, puisqu'on est sur un intégral. On a la porte conducteur, mais on n'a pas de porte passager. Et on est toujours sur des rétrobus, hein, bien sûr. On rentre dans le véhicule, donc on a une porte à ouverture classique. Hein. On n'a pas spécialement d'ouverture large. Une petite poubelle. Un occultant, les coloris, tu vois, c'est en biton, beige et marron, hein, marron clair. Alors l'emmarchement se fait directement dans le véhicule. Là, il est un petit peu haut pour la simple et bonne raison que le véhicule est calé et qu'on est vraiment en pente. Hein. Tout de suite à l'entrée, on a une moustiquaire qui glisse parfaitement, vraiment. On peut voir les bouches de chauffage. Et alors, tout de suite, ce qu'on va avoir à l'entrée, c'est du coffre, tu vois, voilà, et ça c'est le double plancher, et dedans, eh bien, on a des bacs, un bac, donc ça te permet de ranger des affaires, et tout là, tu vois, on est sur du double plancher, hein. Donc on peut y ranger quand même pas mal de choses, alors on va le salir un petit peu, parce que il fait pas très beau. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous voilà dedans. Alors, on est sur un véhicule qui est somme toute pas très long, hein, puisqu'on fait 7,36 m, ce qui fait que sur un 7,36 m, forcément, pour avoir un lit central et à la fois un peu d'espace, eh ben, on réduit un petit peu le tout. Hein. Donc, on a forcément un salon avec deux places face route, donc on est sur un 4 places carte grise, pardon, parce qu'il est en poids lourd. S'il était en VL, on serait en 3 places carte grise avec la même motorisation, et sur une motorisation 3 litres, on serait sur une 2 places carte grise. Ça correspond un petit peu aux anciens 90-90DF, si tu un peu le truc. Hein. On est sur une série cuir, biton aussi, vraiment magnifique. Hein. La série, elle est vraiment somptueuse. Eh bien, on est sur du Fiat. Hein. Donc, comme je te le disais, on a une boîte 6 vitesses. C'est pas une boîte robotisée et c'est pas plus mal. Régulateur, hein. Le régulateur est ici, tu vois. La climatisation, l'autoradio Pioneer qui va te faire à la fois caméra de recul et autoradio. Alors, je sais pas si celui-ci est équipé d'un GPS. Dans tous les cas, il est Bluetooth. Ça veut dire que tu peux téléphoner avec ton kit main libre. Tu as ton petit micro qui est ici. Ici, on va avoir la commande des vérins. Donc avec stabilisation automatique. Et voilà, tu peux le voir, il est vraiment dans un état neuf. La sellerie est super, vraiment, vraiment magnifique. Hein. Les sièges, tu vois, les appuis-têtes, tout, c'est vraiment... Et la finition aussi. La finition est sympa, ouais. Même en haut, tu vois, c'est vraiment très, très joli. Très joli. Alors, on a les petits pare-soleil qui sont ici. Et ensuite, tu as les occultants sur toutes les ouvertures. Hein. Ah, c'est joli le pare-soleil, tu peux le montrer ? Voilà, le pare-soleil, c'est comme ça, tu vois. Wow. C'est très très joli, c'est très très bien fini. Franchement, il est magnifique. Et alors, sur le côté ici, on va avoir donc la petite boîte à gants pour le passager. On va avoir toujours la boîte à gants réfrigérée. On a les boîtes à gants ici en dessous. Ça, c'est du Fiat. Hein. La boîte à gants ici au milieu. Le petit porte-gobelet qui peut éventuellement accueillir un cendrier également. C'est un véhicule non fumeur. Donc, ensuite, au niveau d'espace dinette, on va pouvoir manger, je dirais, 4-5. Hein. Là, on aurait deux personnes, une, deux, cinq, grand maximum. Voilà. La table, ensuite, elle s'articule un petit peu dans tous les sens pour pouvoir être au milieu et que tout le monde puisse manger confortablement. Plus de 5, là, ça rentre pas. Après, on est un petit peu trop serré. Hein. Ah oui, la finition est chromée sur les côtés. Alors, cette table-là, cette dinette-là ne fait pas lit. Hein. Tu peux pas la transformer en lit. La table ne descend pas, tu vois, par exemple. Par contre, on a un lit pavillon. En fait, sur ce véhicule, on peut dormir à 4. Voilà. Donc, 4 places carte grise, 4
de couchage. Voilà, tu soulèves un petit peu et ensuite le lit descend. Hein. Voilà, et là ensuite, bah, tu vas avoir dessus un lanterneau hein, qui fait moustiquaire également, c'est un mini équi. Et puis la literie, bon bah voilà, hein, je vais pas te descendre tout ça parce qu'il faudrait. T'as le siège qui va gêner. Tu sais ce que c'est, hein, c'est des lits, c'est du lit en 140. Hein. Et ensuite, on va avoir les placards. T'as des deux petits vérins, les verrouillages se font ici, donc c'est assez robuste, tu vois. C'est pas des verrouillages qui cassent, hein, comme on peut le voir sur certains véhicules, Francia pour ne pas les nommer. Ici, tu as des rangements, et ensuite, eh bien, on va avoir les occultants. Occultants, c'est pas des occultants plissés, avec la moustiquaire, bien sûr, sur toutes les fenêtres. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, c'est bien laqué. C'est tout laqué, c'est verni, hein, c'est magnifique. Hein. Ouais. On a aussi de ce côté, encore une fois, tu vois. Et alors, à chaque fois que tu ouvres, eh bien, à l'intérieur, c'est éclairé. Par exemple, c'est éclairé. C'est magnifique. Ici, si je le fais, est-ce que c'est éclairé? Ici, c'est pas éclairé. Hein. Voilà, ici, c'est pas éclairé. Ici, c'est éclairé. Tu vois, il y a les placards à l'intérieur sont éclairés. Le tableau de contrôle. Donc, le tableau de contrôle où tu vas pouvoir diriger ton véhicule complètement, avoir les niveaux d'eau, etc. Le test, tu vois, là, tu as la batterie. Bon, alors, les batteries, là, il est sous abri perpétuellement, le véhicule. Hein. Les batteries sont pas au mieux de leur capacité, mais voilà, elles sont chargées quand même. Hein. Le positionneur pour la parabole, puisque oui, sur ce véhicule, tu as une parabole automatique. Là, encore une fois, la parabole automatique, bon, bah, tu fais ou tu fais pas. Hein. Tu sais comment moi je procède avec ça. Tu connais maintenant la maison. Alors, je vais les ouvrir pour te faire visiter le toit. Donc ici, ben, on a un grand lanterneau. Un grand lanterneau. Voilà. Alors, je sais pas bien ce qu'il y a sur le toit parce que je peux pas y monter, j'ai pas d'échelle là, voilà. Mais tu vois, c'est très propre, hein, voilà. C'est impeccable. Hein. On peut voir là-bas au fond hein, la parabole automatique et à côté, on a un panneau solaire qui doit faire une centaine de watts. C'est un petit panneau hein. Sur l'avant, eh bien, on n'a rien du tout. Hein. Donc, on a encore pas mal de place, on a beaucoup de place pour pouvoir disposer des panneaux solaires si on le souhaite. Et là, on a ma chatounette qui réfléchit. Alors, la partie cuisine, encore une fois, je te rappelle qu'on est sur 7m36. 7m36, c'est 7m36, hein, avec un lit central. Donc, on a une cuisine très fonctionnelle. Donc, on a, comme chez Rapido tout le temps, hein, on a un premier évier, il faut rabattre ici. Ensuite, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et tu as ton évier disponible ensuite. Hein, voilà. Ce qui est très astucieux, c'est cette petite tablette pour pouvoir y poser des choses. Ça doit être un éclairage indirect. J'aimerais bien voir où ça s'allume. Il y a des interrupteurs ici, oui. Voilà, tu vois, c'est beaucoup plus joli. Là, tu as une petite lumière indirecte sur le côté. Ils ont eu la présence d'esprit de rajouter une petite protection qui n'est pas évidente sur tous les véhicules hein, et qui se nettoie beaucoup plus facilement parce qu'on est sur un espèce de plastique style verre dépoli. Alors, toute la connectique hein, ici, bien sûr. Ça, c'est pour allumer le gaz. Ça, c'est donc l'interrupteur pour allumer la lumière. Ici, une prise de courant pour quand tu es branché au 220 et une prise allume-cigare. On a ici la commande du Trouma. Je pense que ça doit être un Trouma 6. On le verra tout à l'heure dans les soutes. Toujours ces fameux occultants hein, avec, tu vois, voilà, hein. Ils sont neufs. Hein, donc là, ça s'ouvre parfaitement bien. La petite plaque 3 feux. Ça s'ouvre comme ça. Ensuite, tu peux profiter de ta petite plaque 3 feux qui est avec le piezo, bien sûr. Hein. Voilà. Elle est suffisant. C'est très suffisant. Je dirais même qu'aujourd'hui, une plaque de feu, ce serait largement suffisant. Oui. Un petit support pour les épices éventuellement. Et là, toujours pareil. Avec la lumière dedans. On a les placards. Il y en a un avec lumière. L'autre, il s'éclaire. Hein. Voilà. Voilà, celui-là, c'est clair. C'est voilà. Clair, ouais. Mais ça, en fait, dans ton camping-car. Ça, je l'ai ajouté dans mon camping-car, moi. Hein. Alors les rangements, bah là les rangements, tu vois, porte-bouteille. Ici tu as donc un grand tiroir avec des séparations. Tu as accès au siphon si toutefois tu dois nettoyer. Hein, ça c'est très astucieux. Ensuite, l'accès que tu as ici, c'est un accès à la chaudière en fait. Hein, voilà. Donc ça on le verra tout à l'heure lorsqu'on ouvrira la soute. Hein. Et là, bah, toujours pareil, là tu vois, ça c'est souvent pour accéder. Voilà. On peut voir. La chaudière, donc, qui est bien une Trouma, hein. Voilà, Trouma 6. Comment tu dis ? Ça, c'est pour mettre les bouteilles. Ça, c'est pour mettre les bouteilles, voilà. Petite porte arrondie, très jolie.
Ici, on a un verrouillage. Alors ça, c'est pareil, c'est très astucieux, parce que ça, tu verrouilles tous tes placards. Voilà, tu vois là, porte couvert. Tu verrouilles tous tes placards avec un seul bouton. Et ça, je trouve qu'aussi, c'est assez simple à mettre en œuvre, hein, et ils ne font pas toujours. Voilà, petite poubelle, grand casserolier très profond. Et là, le tiroir du fond avec les coupures de gaz éventuellement, si toutefois tu avais à intervenir rapidement. Ici, on va avoir un réservoir d'eau. Alors, le réservoir d'eau, on a le clapet là. Là, on a le clapet. Alors, il est bien placé, tu vois. Il est beaucoup mieux placé. Il est ici, le clapet. Là, tu as tout accessible. Tu as la pompe à eau qui est accessible. Ici, tu as donc le clapet de sécurité. Donc, tout est très, très accessible. Normalement, on est sur 170 litres hein, sur ce type de véhicule. On est sur 170 litres en réserve d'eau et normalement, on tourne autour de 130 litres au niveau des eaux grises. Hein. Ici, donc frigo Trimix, on a toujours le même frigo Dometic sur quasiment tous les véhicules, à part, maintenant on est passé beaucoup au frigo à compression, mais là on est toujours sur un frigo Trimix, ça fonctionne très bien. On dirait tout neuf. Ouais, on dirait qu'il est tout neuf, exactement. Ici, on a le téléviseur avec radiocommande. Alors c'est un petit téléviseur, hein. Il sort, il s'articule dans les deux sens, on a un support qui permet de pouvoir le tourner ou vers le lit ou vers l'avant. Bon, pour moi il est petit, hein. Il est petit, donc mais ça c'est un téléviseur, c'est pas très cher, hein. C'est assez facile à changer en plus. Tu peux très bien passer sur un grand écran 16/9 4x3. Hein. Un petit tiroir sympathique dans lequel on peut encore loger des affaires. On arrive à la partie salle d'eau, derrière le dodo. Hein. Salle d'eau. Salle de bain, non, il n'y a pas de baignoire, hein, salle d'eau. On est sur un véhicule qui fait 7m36, je te le rappelle encore une fois. Forcément, là, il y a un moment, il faut que le passage de roue il soit quelque part. Eh bien, il est là, il est dans la douche. Alors, ça laisse quand même pas mal de place. Un petit siège, éventuellement, si tu es fatigué, tu prends ta douche, tu veux te reposer un peu. Et alors, une colonne de douche qui est magnifique, avec un éclairage bleu ciel du plus bel effet. Vraiment, ça donne vraiment une touche de classe et haut de gamme. Et ici, donc, on va avoir un lanterneau pour pouvoir aérer la douche et faire sortir l'humidité. On a même une petite ficelle pour étendre la serviette. Hein. La paroi de douche, hein, c'est une petite paroi qui se plie en deux, tu vois, et qui vient s'accrocher ici. Il y a un petit crochet qui est prévu. Pour cloisonner l'ensemble, la porte des toilettes sert également de cloison. Et tu verras que quand je vais la fermer, tu auras un miroir. Intérieur, eh bien c'est tout simple, hein, toilette à cassette qu'on connaît habituellement. Peut-être que tu auras intérêt à rajouter un SOG si vraiment tu veux avoir une qualité d'odeur optimale. Un lavabo en inox avec les rangements qui vont bien à chaque fois. Tu vois, il y a des petits rangements partout. Le gobelet, le porte-gobelet, le verre à dents avec le porte-savon. Une petite tablette. Ici, des rangements partout. Alors tu vois, là, ils ont prévu des élastiques. Ça te permet de pouvoir maintenir un petit peu les choses que tu transportes. Là, tu as un petit verrou qui te permet, tu vois, de déverrouiller et de pouvoir glisser d'un côté ou de l'autre la partie vitrée et de pouvoir accéder donc derrière la vitre. Tout ça, ça se verrouille des deux côtés. Voilà, là, c'est verrouillé et là, ça bouge plus. Hein. Ici, encore une fois, tu vois. Et là, au-dessus, tu as encore des... Là, tu peux, par exemple, mettre ton papier toilette, ce que tu veux. Et on va avoir également une fenêtre de toit, un lanterneau, un petit lanterneau qui te permet également d'aérer si toutefois tu as un peu de vapeur à l'intérieur. Sur la porte, on a un porte-serviette. Alors, on va le voir tout à l'heure. Hein, on a une cloison également de ce côté qui peut éventuellement cloisonner l'ensemble. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans ta salle d'eau avec le lavabo d'un côté et la douche de l'autre en étant complètement fermé. Et ça fait en même temps un sas si toutefois tu avais des personnes qui dormaient à l'avant. Hein. Ce qui fait que vraiment, il y a une paroi qui est au niveau du bruit, forcément ça va atténuer le bruit et tu vas pas avoir l'impression de dormir tous ensemble dans la même pièce. Hein. Me revoilà, pépette. La petite porte dont je te parlais, eh bien c'est très simple. On va ici la déverrouiller et elle va coulisser. Voilà, elle va coulisser. Alors, elle est en deux parties. Hein. Tu as une petite partie qui est ici. Tu vois, ça va coulisser comme ça. Celle-ci, pareil.
Et là, voilà. Là, t'es fermé de ce côté, et t'es fermé de l'autre côté. Alors, voilà, hein, quand tu t'appelles Pascal, forcément, t'es un peu, tu peux pas te retourner. Hein, va falloir que tu fasses comme ça, et tu te retournes ensuite ou dans la partie toilette, ou dans la partie douche. Mais là, tu vas pas pouvoir commencer à faire la danse, hein, la salsa, dans la salle d'eau, hein, on est d'accord. Hein. En fait, on peut pas tout avoir. Hein. Il y a un moment, c'est souvent ce que je dis, les gens veulent un lit central, mais ils veulent à la fois un grand salon, ils veulent à la fois une grande cuisine, et ils veulent tout ça dans moins de 7 mètres. Oui, mais il y a un moment, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Là, on a tout, on a tout, on a tout ce qu'on demande, on a la salle d'eau qui est séparée de l'avant et de l'arrière, et que tu peux fermer des deux côtés, tu as ton lit central, tu as ta cuisine, et tu as vraiment des petits espaces qui sont bien séparés. Mais dans 7m36, donc forcément, bah oui, c'est comme quand tu essaies de rentrer un camping-car dans un fourgon. Tu peux pas avoir tout ce que tu as dans un camping-car, dans un fourgon, ou alors tu l'as tout comme une maison de poupée. Au plus on est réduit, au moins on va avoir les espaces spacieux. Forcément, ça va être plus petit. Hein. On va terminer par la chambre. Je dirais, bah oui, tu as un lit forcément. Alors le lit se règle en hauteur. Tu vois, tu as d'ailleurs ici les commandes. Hein. Le lit qui est réglable en hauteur, comme je te l'ai dit, donc il peut monter beaucoup plus haut, presque 20 cm, mais descendre également d'autant. Hein, ce qui veut dire que si tu dois charger un véhicule à l'intérieur, en dessous, bah, c'est plutôt facile. Hein, parce qu'à ce moment-là, bah, tu dors un peu plus haut, mais au moins, tu as ton scooter à l'intérieur. Deux tablettes, hein, chacun sa tablette. Donc. Et de ce côté, on verra qu'il y a des rangements, on le verra tout à l'heure. L'épanderie, avec, on a même une prise antenne télé, là, ici. Hein, pour une télé supplémentaire. D'ailleurs, on a une télé supplémentaire ici, tu vois, où on a la connectique. Mais là, il y a une autre prise. Et c'est des prises d'antenne, ça. Hein, voilà. Des petits, chacun son petit éclairage, son petit lecteur pour lire le soir, hein, pour pas déranger sa voisine ou son voisin. C'est souvent les femmes qui disent. Les hommes, ils dorment. Et ici, voilà, tu vois, ça c'est le panier à linge qu'on retrouvait de l'autre côté. Voilà, là on a préféré mettre des petites tablettes, hein, mais on a toujours la barre à penderie, tu vois, il y a l'emplacement pour la barre à penderie. Le dos ici est gainé, hein, c'est pas salissant, du coup ça se nettoie, ça s'entretient plutôt facilement. On a des petites portes, des petits crochets pour accrocher ses vêtements ou son pyjama. Et là, c'est un mini équipe. Il y a plein de rangements pour un petit tablette, donc j'ai pas vu ici. Bien sûr, Pépette. C'est tout. C'est joli, hein. N'était pas rentré dans un camping-car pour le visiter, ouais. Le Stampace. Ouais. La finition, c'est... Rapido. Très chaleureux. Ouais, c'est vraiment, c'est joli. Mmh. C'est joli. 2015, alors tu vois, le mobilier a changé. Ça reste quand même qualitatif. Hein. Ça reste quand même qualitatif. Là, on est sur un poids lourd 4,5 tonnes, donc il te faudra le permis IC1 ou ton permis avant 75. 2015, 48 300 et des bananes, garantie 6 mois, hein, puisque là, il aura une garantie, la courroie de distribution sera faite, le contrôle d'étanchéité, tout ça, tu partiras. On te fait la mise en route chez un professionnel. Hein, ça veut dire que c'est pas un véhicule... alors, le véhicule, moi, je le vois chez le particulier. Mais Sébastien, donc, qui est à son compte depuis un petit moment maintenant, qui monte de l'accessoire, il fait de l'entretien, il fait tout un tas de choses. D'ailleurs, je te mettrai ses coordonnées si jamais tu as une problématique. Eh ben, tu peux l'appeler, c'est quelqu'un qui est méticuleux et qui fait le travail correctement, en fait. Hein. Il connaît les problèmes des concessionnaires et c'est pour ça que ça l'a un peu saoulé et c'est pour ça qu'il s'est installé, pour pouvoir proposer un service digne de ce nom. Et en effet, on peut constater qu'il fait quelque chose de pas mal.
Donc c'est chez lui que tu prendras le véhicule, que tu viendras récupérer ce véhicule. Il est en boîte mécanique, 2 litres 350 chevaux. Il peut éventuellement te l'upgrader si tu veux un peu plus de puissance. Eh ben, il peut le faire, hein, ça c'est quelque chose de possible. Si tu as des options que tu veux rajouter en moyennant finance, bien sûr, c'est faisable également. Je te rappelle que là-dessus, on a 4 vérins hein, donc, qui stabilisent le véhicule. C'est des vérins avec des moteurs, c'est pas des vérins avec de l'hydraulique. Donc c'est beaucoup plus compact, c'est moins cher également. Hein, à savoir que si toutefois tu veux poser ce type d'accessoire, tu peux t'adresser à lui également. Après, le véhicule, il est impeccable, quoi. Il est magnifique. Ah, la finition, elle est magnifique. Là, c'est une bande d'Alcantara. Ouais. La sellerie, elle est magnifique. Hein. Les deux sièges là, du conducteur et passager, t'es assis dedans, t'as l'impression d'être assis dans des sièges de véhicules de luxe. Hein. Non, vraiment, c'est un très très beau véhicule. Peu de kilomètres, il a une parabole automatique également, caméra de recul, etc. Hein, tout ce qu'on peut attendre d'un véhicule. Je pense que ce qui serait judicieux de faire, c'est peut-être de poser un SOG et de d'étendre un petit peu la capacité en solaire, parce qu'on a une capacité un peu réduite. De mémoire, il me semble qu'on a 2 batteries cellules. On n'a pas ouvert les soutes encore parce qu'il est parti avec les clés. Il me semble qu'on a 2 batteries cellules de 90 ampères. Hein, voilà. Donc c'est pareil. C'est pas non plus. Voilà. On n'a pas pour y vivre. Ça manquerait un petit peu. Pour partir en vacances l'été, pourquoi pas. Basse saison, je pense que ça manque un peu d'autonomie, mais ça se rajoute hein, sans problème. Tu peux même voir ça avec Sébastien. Et il peut s'en occuper si toutefois tu te sens pas de le faire. Hein. Combien on va te vendre ce véhicule, Pépette? Tu te poses cette question, je te vois. Déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu te verrais bien là-dedans? Ah oui, oui. Parce qu'il est compact, il est vraiment chaleureux. Il va pas être très compliqué. Tu voulais m'offrir? Non. Tu vois tout de suite? Il est pas gros, en fait. Il y a tout dedans. Tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce qu'il faut. C'est un poids lourd. Ça va être combien? 7,36 m. C'est comme le mien. Ah ouais, c'est comme le tien. Ouais. Alors, à savoir quand même que ça, si tu veux détarrer, tu peux détarrer. Par contre, tu te retrouves avec 2 places carte grise. Hein. Mais c'est tout à fait possible de le descendre de poids lourd à VL. Hein. Ça, il existe en VL, en fait, le i90. Hein. Alors, le prix, combien on va te le vendre, le prix? On a fait un peu le tour du marché et dans cette gamme-là, un petit peu moins de 80, nous, on va te le proposer à 78 500 euros. Voilà. 78 500 euros pour ce beau véhicule. Premier arrivé, premier servi. C'est tout, hein. Il sera tout en règle, hein. Tout sera fait, tu n'auras absolument rien à faire. Tu tournes la clé et tu t'en vas. Voilà. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai visité, j'ai regardé, il est impeccable. Il y a absolument rien à dire sur ce véhicule. Et au moment où tu vas prendre livraison, eh ben, Sébastien, en plus, aura mis sa petite main dedans. Il aura fait faire la distribution et tout. Donc, tu partiras vraiment à zéro. Et en plus, avec une garantie de 6 mois, totale, extensible, si tu le souhaites. Voilà la famille. C'est ici, tu m'écris, tu mets tes coordonnées téléphoniques, parce qu'il y en a qui m'écrivent et qui ne mettent pas leurs coordonnées téléphoniques. Donc je ne peux pas les appeler. Ça refait en renvoyer un mail, il renvoie un mail avec ses coordonnées, c'est perte de temps. Donc n'oublie pas de mettre tes coordonnées téléphoniques. Il faut bien sûr que tu aies le financement et que tu aies ce qu'il faut. Parce que oui, si tu as quelque chose à vendre et tout, ça va être compliqué. Quoi. Ça va être compliqué de faire la jointure et de faire ça dans des délais respectables. Voilà. C'est tout, Pépette. Oui. C'est tout, mais Pépette, elle a tout dit aussi. Hein. Voilà. Voilà. Il fait ici, il fait la même température que où on est, mais ça paraît plus froid parce que c'est vachement humide en fait. Oui. Voilà. Donc tu vois, on est habillés comme des cosmonautes. Ciao la famille, à tout bientôt.